en quête de solutions afin de que les élections puissent être transparentes, fiables, inclusives et puissent se dérouler dans un climat apaisé. C'est dans cet objectif que le collectif des candidats à la présidentielle du 9 novembre a poursuivi le dialogue avec les députés à l'hôtel Le Louvre en Tannarine ce matin. Le président national du parti MMM, lors de sa rencontre avec les membres du parti, a fallu vivre en Pitafka aujourd'hui, met l'accent sur les problèmes qui doivent être résolus en urgence dans le pays, dans la restauration de l'état de droit et à la scolarisation obligatoire des enfants. Dans l'actualité internationale en France, pour clôturer sa visite à Marseille, le pape François devrait réunir près de 57 000 spectateurs au stade Vélodrome. Parmi eux, Emmanuel Macron. Le président français estime y avoir sa place en tant que chef de l'État. Manahirana mihitsy ny manetika sy manolo kosy ny zaza rehefa izy mipetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andranefa izany hatramin'izay nampiasaky ny kosy kilaoty moly fixe izay izy. Roa vitika, alaky ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany nifaritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny moly fixe. Ho antsika mamamao rehetra, andao ampiasa kosy kilaoty moly fixe ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Moly fixe, mitombo amin'ny fifaliana. Fora vohatsy telo amby roapolo soa arivo hetsika goavana hanehoana ireo herijika maro lafy anana ny faritra anjoy toy ny harena kibonytany ny harena ara-pambolena sy fiompiana harena an-dranomasina sy an-dranomamy ny kolontsaina fizahantany ambonin'izany ireo harena ara-kolona fora vohatsy izany dia hotanterahana ny fahefatra dimy enina ary ny fahafito ny volana oktobra telo amby roapolo soa arivo avy zao ambo vombe renivohitsy ny faritra anjoy Hetsika maro no hitantsika mandritra ny foara vohatsy fampiratiana ireo vokatra mampiavaka ny faritra anjoy toy ny voanjokatsa trondro oratsimba mangahazo sy ireo maro hafa eo ihany koa ny fanehoana ampahibe maso ny hakanto ny faritra anjoy sy ireo herijika ananana fivoriana aranady hevitra conférence débat dihy tsinjaka sy hetsika ara-kolotsaina kilalao ara-pombandrazana toy ny ringa leha galeha tafatomo ranjagny Misy ireo mpanakanto anafanany fotoana vilonandroy mirasoa mihaja iandroy herinandroy varanga nodas magneva naitsy robin duchit vaovy junior tandroy ki tiry iandroy seva iandroy tsivalaky senge junior foara vohatsy izay ho tanterana ny fahefatra dimy enina ary ny fahafito ny volana oktobra telo amby roapolo soa arivo ao amin'ny kianjany monperagozal calvo ambo vombe iandroy manantena ny fahatongavantsika rehetra maro tsy misy ny vitsipidirana Sponsor officiel Airtel Madagascar En quête de solutions afin que les élections puissent être transparentes, fiables, inclusives et puissent se dérouler dans un climat apaisé, c'est dans cet objectif que le collectif des candidats à la présidentielle du 9 novembre a poursuivi le dialogue avec les députés à l'hôtel Le Louvre en Tannarine ce matin. À l'origine de la situation actuelle, le manque d'impartialité aussi bien de la Haute Cour constitutionnelle que du gouvernement. Le collectif des candidats entend œuvrer pour désamorcer toute crise éventuelle avant, pendant et après les élections. Pour trouver une solution à la crise, parce que nous avons constaté donc une crise grave institutionnelle. On parle de coup d'État institutionnel.
perpétrés par la HCC et le gouvernement. Donc maintenant, j'ai fait le porte-parole des candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes au nombre de 11 exactement. Donc pour réitérer notre desiderata afin que nous puissions faire des élections saines, loyales, transparentes et acceptées par tous. Et aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes au niveau de la CENI, des problèmes au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, deux organes principaux qui organisent les élections. Donc on a des solutions à proposer, mais on voudrait parler avec tout le monde et on constate quand même que nous avons le soutien de la communauté internationale, nous avons le soutien à travers leurs déclarations, nous avons le soutien de l'ensemble des églises malgaches, nous avons également le soutien de la société civile, des syndicalistes et donc de la population malgache pour ça. Voilà. Donc on continue le dialogue. Hier, les 12 candidats ont rencontré les organisations de la société civile. D'autres réunions sont programmées pour les semaines prochaines. Des résolutions et des solutions seront avancées à l'issue de toutes ces concertations que le collectif des candidats aurait eu avec les acteurs politiques et sociaux du pays. Les règles du jeu doivent être claires avant la tenue de l'élection présidentielle. As Antienne Narville, candidat à la présidentielle du 9 novembre prochain et portant le numéro 2 sur le bulletin unique, l'a réitéré aujourd'hui lors de sa rencontre avec les membres de 26 communes du district d'Antsimjan du parti MMM, Malagasy Miremieng. Rencontre qui a eu lieu à Falerioufou en Pitatavk. Il a souligné que toutes les institutions doivent se conformer à la loi afin d'éviter tout éventuel problème qui peut surgir. Une position qu'il partage avec 12 autres candidats. La réunion a été une opportunité pour les membres du parti MMM de partager des points de vue, d'étoffer leurs compétences concernant le programme de travail et le projet de société du parti dans le cadre de la tenue prochaine de l'élection présidentielle à laquelle participe le président national du parti. Quelle est la stratégie pour lutter contre l'insécurité? Il y a des fils électriques chez nous, mais ils ne sont pas utilisés car il n'y a pas d'électricité. On n'arrive pas à dormir la nuit à cause des coups de feu qu'on entend. Les enfants font des études supérieures qui ne servent à rien car ils ne trouvent pas de travail. Quelle est la stratégie en matière d'éducation? Si les membres du parti MMM ont au cours de cette rencontre multiplié les questions concernant la stratégie de leur candidat à la présidentielle pour lutter contre la sécurité qui prévaut, pour le MMM, la priorité est de restaurer l'état de droit pour renforcer les institutions de l'État et faire revenir aussi la confiance de la population en ces institutions. La restauration de l'état de droit va rétablir la confiance des investisseurs locaux et étrangers, induire à la création d'emplois, le chômage étant à l'origine de l'insécurité dans le pays. Par ailleurs, il est essentiel d'assurer l'approvisionnement en électricité dans tout le pays, à court, moyen et long terme, afin d'attirer les investisseurs. Si telles sont les priorités, la scolarisation des enfants figure aussi parmi elles. Tous les enfants doivent aller à l'école, à marteler à Adsu Angéna-Narville, et l'État veillera à ce qu'il en soit ainsi. Les programmes seront structurés en fonction des besoins non seulement au plan local, mais aussi à l'international. Différents centres de formation seront créés pour répondre au marché du travail et permettre aux jeunes de travailler dans des entreprises de grande envergure, mais aussi de créer leur propre entreprise. L'exercice du pouvoir sera décentralisé et ne sera pas accaparé par le pouvoir central, comme tel a toujours été le cas dans le pays. Les responsables à la base auront des prérogatives et seront équipés pour concrétiser les aspirations de la population au niveau des Fouktantia et des communes. Si telles sont les lignes générales, une réunion du candidat avec la population est prévue, réunion au cours de laquelle le projet de société du MMM sera détaillé. Androani natao ny fionana teto amin'ny commune ampitatafika
Une réunion s'est tenue ce jour à Omptatafk avec le président national du parti, Adjondjianen Arvel. On y a discuté du projet de société qui sera appliqué au moment où on parviendra au pouvoir. La population est en difficulté. Certains ne mangent pas, d'autres sont désassistés. La réunion a porté sur les points de vue du parti concernant la situation actuelle. Le pays se trouve actuellement dans un marasme sans précédent. Le futur des générations à venir est confus à cause des dirigeants qui n'ont pas été préparés à gouverner et qui n'ont pas à préparer à l'avenir. Il faut oser changer les choses et ne pas tergiverser pour préparer à des lendemains plus sereins pour la terre de nos enfants, a conclu le président national du parti MMM lors de sa rencontre avec les membres du parti à Faleajivo en Pitatafka aujourd'hui. Les crises politiques et les querelles politiciennes vont accentuer les difficultés de la population. Dans une déclaration aujourd'hui, l'Association des anciens militaires milite contre le retour à des situations de crise et estime que seules les élections pourront désamorcer les tensions actuelles. Notre bureau national s'est réuni et nous tenons à déclarer que nous sommes contre les troubles politiques et contre les moyens utilisés qui empêchent la tenue des élections. La population est en difficulté et il ne faut pas y rajouter une crise politique. Pour nous, il faut que les élections soient organisées pour que la démocratie règne. Il faut une nouvelle vie pour les malgaches. L'association a souligné qu'elle ne fait pas de politique. Dans le contexte actuel de pauvreté dans lequel baigne la majorité des Malgaches, certains se débattent et livrent une bataille aux difficultés de la vie au quotidien. Nos journalistes ont fait une petite incursion chez François, père de 5 enfants, une fratrie qui vient encore de s'étendre avec la naissance de jumeaux le 4 septembre dernier. François est donc désormais père de 7 enfants et veuf, vu qu'il a perdu sa femme peu après la naissance des jumeaux. Je me débats tout seul. Je dois élever les enfants. Parfois, je ne peux rien faire. Et c'est mon fils qui essaie de gagner de l'argent pour faire face aux besoins de ses frères et sœurs. Ils sont 7 enfants. Nous sommes donc 8 au total. C'est donc la fille aînée qui s'occupe des nouveau-nés. Ces bébés s'appellent Dylan et Dylan. Le logis court à la ruine. Le dernier cyclone a eu raison des murs. Et depuis, aucune réhabilitation n'a pu être faite. Notre mur est tombé. J'ai dépensé tout l'argent pour soigner ma femme. Tous les enfants dorment dans la pièce à côté, car il y a beaucoup trop de vent ici. Et ça ne convient pas au bébé. Compte tenu de la multitude de problèmes financiers de ce foyer, 2 des enfants ont été déscolarisés, d'autant que les fournitures scolaires sont hors de portée de la bourse de la famille. Les 2 enfants étaient en classe de 4e et de 7e. Deux des enfants ne vont plus à l'école. Je n'ai pas d'argent pour les envoyer à l'école. Nous n'avons vraiment plus rien. En plus de la misère dans laquelle il vit, ce père de famille porte aussi en lui tout le poids de la détresse due au décès de sa femme. 2 jours après l'accouchement, ma femme a eu les pieds enflés. Nous sommes allés à Bifilantanan. Comme il n'y avait pas d'amélioration, nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai ensuite emmené à la Khamisfenorive. Sa santé s'est améliorée, mais nous n'avions pas d'argent pour acheter les médicaments et continuer le traitement. Elle est donc tombée malade à nouveau. Nous nous sommes préparés à nous rendre chez le médecin le lendemain, mais elle est morte le jour avant. Seule ma fille aînée a assisté à son dernier soupir. Jusqu'ici, une association s'est portée au secours de cette famille. Elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour pouvoir acheter du lait, des biberons et des couches à Dylan et Dylan.
L'aide n'est toutefois pas assez conséquente pour faire grandir les jumeaux. La confection de matelas, qui est la source de revenus de François, ne suffit pas à faire vivre la famille. L'Assemblée générale des membres qui composent le MAFAMI, regroupant l'Association des étudiants, des travailleurs, du personnel technique et administratif des anciens de la région d'Antananarivo, s'est tenue ce jour à Mbumanaboul. L'objectif de cette association est de porter assistance aux étudiants en difficulté. L'association œuvre dans les activités sociales diverses et aide les étudiants de l'université en vue de promouvoir l'entraide entre les étudiants et leurs parents. L'Assemblée générale de ce jour a permis aux différents membres de se connaître. Depuis ses 45 années d'existence, le MAFAMI s'implique dans les œuvres sociales. La réunion d'aujourd'hui a rassemblé près de 2000 participants. Face à la Méditerranée sur les hauteurs de Marseille, le pape prend le temps de saluer, de remercier les hommes et femmes les sauveteurs en mer et la montagne qui viennent en aide aux migrants et qui, selon le pape François, font l'honneur de l'humanité. Des réfugiés viennent offrir des lettres, se prosterner aux pieds de ce pape qui fait des migrants l'une des causes principales de son pontificat. Il dépose une gerbe en mémoire de tous les migrants qui ont péri en mer et fait rare, c'est en français qu'il prie. Regarde en ta bonté les réfugiés, les exilés, ceux que l'amour rejette, et les enfants séparés de leur famille. Accorde-leur de retrouver une patrie. Des prières et un discours fort à l'intention des chrétiens, mais aussi des responsables politiques. L'indifférence ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisations. Que chacun fasse le choix entre la culture de l'humanité et celle de l'indifférence. Junior est arrivé en France depuis 5 ans. Aujourd'hui, il a pu lire un passage de la Bible devant le pape. Il a fait passer pas mal de messages. Il a parlé d'amour, il a parlé de compassion. Et moi, c'est ce que j'ai pu retenir de ce moment-là. Et c'était super. Le pape François l'a précisé, ce n'est pas une visite en France, mais à Marseille. À la descente de l'avion tout sourire, il est accueilli par la Première ministre. Le pape ne peut désormais plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Mais le chef du Vatican prend la peine de se lever pour la Marseillaise. Après une brève traversée de Marseille, il prie la Bonne Mère à Notre-Dame de la Garde avec le clergé. C'est la première fois depuis 490 ans qu'un pape se déplace dans la cité phocéenne.